Mesdames et messieurs, vidéo ça nous pote pour là après le faire saisir tendez comment yon avec lui-même spécialisé dans question violer timoun disons 13 ans 14 ans 12 ans monsieur c'est timoun ça li manger ou bien c'est timoun ça monsieur violer. Eh bien, je dis à la, donc la police qui menait avec arrestation ça, eh bien, nommé ça, monsieur le Georges Alain de Grand, eh bien, dans le village Théoda, c'est là la police mette, eh bien, citoyen ça, en bas code, qui lui-même, c'est un nan qui fait un pile viol sous timoun, sous mineur, et c'est travail ça, eh bien, vagabond ça lui-même, lui menait dans le pays d'Haïti, et la police, je dis à la, et donc, en collaboration ensemble avec brigade protection des mineurs, mesdames et messieurs, eh bien, yo mette la patte sous monsieur ça, te gen, boy yo te la, et te gen divers l'autre corps encore qui te présent sur les lieux et qui te aide la police, mette la patte sous citoyen ça, qui se, et Georges Alain de Grand, mesdames et messieurs, nous prenons le photo monsieur, yon est qui avec, mais ça pas empêché monsieur fait un pile de gars sous timoun petit, donc tout détail, et puis gen la police tout qui mène avec divers l'autre arrestation, environ 14 ans, et chef gang ta tombé en bas code, en pile volant là dedans, en pile kidnappé, la police a frappé très fort là, dans le moment de parler, nous prenons un photo bien détail. Nous saluons tous les amis qui sont branchés, c'est un grand plaisir, je dis à nous, nous capables d'informer, nous parler directement au niveau de sécurité, que la police a arrêté un présumé agressé sexuel, acte violé dans le village Théoda. D'après information qui est publiée sur page officielle de la police nationale d'Haïti, il y a une équipe brigade protection mineure BPM avec une autre dans brigade recherche et investigation BRI. Je mettais la patte sous Georges Alain Degang et côté que monsieur lui-même et c'est dans zone village Théoda samedi 9 avril 2022. Après une plainte de papa, il y a une six mineurs qui gagnent entre 12 à 14 l'année. Georges Alain Degand lui-même accusé, abusé sexuellement, agression sexuelle, viol, acte, excitation et non débauche. Et bien, la police mettait main dans Colette, le samedi 9 avril, là, dans le village Théodate. Information, yo, après à poursuivre, et bien, avec, là, qui vient faire avec monsieur, d'après information, la police nationale est arrivée collectée, et bien, n'abdouke, information que la police lui-même lui arrivé collecter et bien sous et Georges qui perdit capacité pour louer depuis qu'elle était tout jeune après plusieurs individus et rager et rager et elle était après elle était fait violer yon moun côté que était rager monsieur j'étais prend pile coup et bien depuis là monsieur lui-même licencié et gagné et problème ça et n'a donc avec ça et bien monsieur lui-même c'est ça que lui a fait qu'embé timon de Poukounia en attendant suite nécessaire yo présumé violé et dans mes DCPJ, et bien, selon communiqué, autorité, la police, eux-mêmes, ils ont arrivé et fait et qu'on est, et bien, Abdouke, monsieur lui-même, qui est la police, et bien, Abdouke, c'est la police qui a été présumée agressée sexuelle, ça, avec Violea, c'est dans le village Théodate, au niveau de Port-au-Prince. Information, yo, après poursuivre, nous pour aller, et pour nous, au niveau de la police, eh bien, opération policière, il y a 10 individus tués en une semaine. La police nationale a été informée qu'au cours des opérations menées du 1er au 8 avril 2022, 10 présumés bandits ont été tués. Un agent de la PNH a été blessé au cours des opérations, indique la police nationale d'Haïti, eh bien, la date 9 avril, et dans un bilan qui est publié samedi par la police nationale d'Haïti, direction départementale Ouest 1 et de la PNH ont informé que il y a 10 présumés bandits qui tuent dans une semaine selon notre PNH là ou bien opération menée 1er au 8 avril ont permis aux forces de l'ordre de confisquer 3 armes à feu. Ces opérations étaient menées par des policiers affectés au commissariat de Delma, Pétionville, Port-au-Prince et de Carrefour. Et bien, un policier affecté au commissariat de Delma a été blessé par balle selon la police. Au cours de ces opérations, 3 armes à feu ont été saisies. Il s'agit d'un Taurus et PI-809 de série PFW et -22028 avec un chargeur contenant 2 cartouches, un Taurus 24% 7 et G2C de série PHM et 87
1995 avec un chargeur contenant deux cartouches, un fusil d'assaut AR-15 de série RM-24-42 avec deux chargeurs et 22 cartouches, 5.56 et une bouteille de gaz lacrymogène, informe l'institution policière. Et bien, c'est information ça que la police lui-même lui dit que ils ont commencé ensemble avec opération et bien, tout le monde qui dit que et bien, la police pas gagne rien pour le faire, c'est tout yé bandit. Éliminatoire, n'a pas quitté nous pour aller, Jean-Claude Dimité Dili, nous prenons l'éliminatoire. Ça directement, et bien, nous, et à continuer ensemble avec information, yo, nous prenons aller rapide au presto dans le sud-est pays d'Haïti, gagné arrestation de 14 individus et pour détention illégale d'armes et association de malfaiteurs. 14 individus, dont il y a trois femmes qui ont arrêté au vendredi 8 avril 2022 dans le département sud-est. Et force de l'audio qui réussit avec coup de filet ça à bois œuf, yon banlieue de la ville de Jacmel. Ils sont accusés de détention illégale d'armes à feu et association de malfaiteurs, informe la police sur page Facebook. Eh bien, 9 avril, selon la police, opération a été menée par des enquêteurs du service départemental de la police judiciaire, SDPJ, et des agents de l'unité et départementale de maintien de l'ordre, UDMO. Eh bien, 14 Mounsayo ont été arrivés prêts, et au nom de Mounsayo, mais non Mounsayo, ou même qui a suivi nous là, sous ces Moun Jacmel, gardez pour souvent informer. C'est Louise Bonville, Jameson Jules, et Dieu qui fait ça, non, Roma Judy, Kyrian Jean, Colbert Sanon, Vital Pierre Harrison, Milor Jonas Sanon, Leslie Nozil. Attention, il était pris 3 motocyclettes, 2 véhicules de marque Suzuki de couleur blanche et verte, et un fusil de calibre 12 de marque et Mossberg et série L10 et 68-80. Il prend un revolver de Max Smith et Winson et de série et Falsifide de calibre 38. Il était saisi par force et de l'audio. Eh bien, il était pris 4 cartouches, 18 téléphones portables, 3 manchettes, yon pince, yon petit pioche, et yon pelle, et puis yon pioche, yon couteau, et puis yon hache, yote arrivé, récupéré, objet ça, yote yote, et verbalisé par juge de paix, Fritz Palanquet, et puis greffier libre. Et bien précise, la police nationale d'Haïti, pour l'instant, individu ça, yote, qui yote arrêté, yote, et bien yote placé en garde à vue, yote après une suite judiciaire, yote, et bien, j'en que nous-mêmes, nous saute, bah, ou, information ça, au niveau de Sud-Est, côté que la police lui est arrivée à arrêter 14 individus yo, que eux même ont été joints ensemble avec Santarelle et les armes que eux même ont été gagnées. Et bien nous sauter bas non yo, parce que eux même qui viennent former on sous quoi les non yo, et bien connaît que c'est monde ça yo qui eux même qui est dans affaires et wrong au niveau de et zone et ça ça veut dire non yo ouais Sophia c'est ça. Information yo après poursuivre, pas oublier que ou même qui est à peine et branché là, et bien nous pour aller directement et Jimmy, et bien font son coup de pied en France, et bien nous connaît que comment que situation lui même liée et dans et pays la France, et bien nous connaît que gagné en pile information, gagné candidat pour élection présidentielle 2022 et député de la France insoumise et Jean-Luc et Mélenchon qui même qui voté dans l'école dans la circonscription et Marseille dans la zone bouche du Rhône. Bientôt, président sortant Emmanuel Macron qui votait au Touquet, et c'est là, et dans cette station du Pas de Calais, et bien qui lui-même résidait depuis 2001, et bien avant d'être installé à l'Élysée originaire d'Amiens, Emmanuel Macron a choisi le Touquet pour épouser Brigitte et Tonieux le 20 octobre 2007. Bientôt candidate du Rassemblement national Marine Le Pen qui votait jeudi dimanche là à Enen et Beaumont dans le Pas de Calais où elle est députée. Mais de son côté, le candidat du Reconquête, Éric Zemmour, il m'a lui voté dans le bureau de vote et au 8e arrondissement de Paris. Information yo, présidentielle française 2022, la chef de file des Républicains Valérie Pécresse a déposé son bulletin et dans l'urne, et bien elle s'est attardée à serrer et des mains dans les couloirs de son bureau de vote et les Vélizés Villa Coublay. Présidentielle, gagné François Hollande, ancien président de la République, a voté à Tulle et dans une Corrèze, ville dont il a été maire et où il possédait une résidence. De son côté, l'ex-président
Nicolas Sarkozy à lui voter dans le 16e arrondissement de Paris, élection qui censée après dérouler et dans le pays et la France. Et bien, on connaît que gagner information, gagner en pile, monde, et qui au même qui est pralé dans l'Union, et bien, au même plus capable d'aller. Nous avons plus de candidats à la présidence, et quand même, pas d'elle. Oui, nous avons gagné plusieurs candidats, et bien, nous avons élection, pas passion dans le premier tour là, qui à 65% à 17h, c'est un recul de 4 points, et par rapport à 2017, et bien, on connaît que l'élection, ça y même qui pensait à pas dérouler là, France, élection, la participation, et qui au même, qui est absent là, au premier tour, s'établit à 65% à 17h, un recul de 4,4 points par rapport à 2017. Et bien, et le recul se confirme, le taux de participation au premier tour de l'élection présidentielle s'établit à 65% à 17h, dimanche 10 avril, selon les données du ministère de l'Intérieur. La participation est en recul de 4,4 points et par rapport à la même heure en 2017 où elle atteignait 69,42%, elle était de 70,59% en 2012. La participation à 17h est toutefois plus élevé de 6,5 points de celle de 21 avril 2002, 68,45% année record pour l'abstention en un premier tour, élection présidentielle, une participation de 25,48% à 12h. Le taux de participation atteint 25,48% à midi selon les chiffres officiels communiqués par le ministère de l'Intérieur. À titre de comparaison, en 2017, le taux de participation au premier tour à la mi-journée était de 28,54%. En 2002, à la même heure, il était de 21,4%, un record d'abstention pour un scrutin présidentiel sur les 20 dernières années. Eh bien, gens que nous-mêmes, nous sommes là, eh bien, et nous sommes que un pile monde, ils ont commencé par aimer à le voter. Eh bien, si nous avons gardé ça, c'est pas Macron a avancé jusqu'à maintenant. Nous connaissons un pile monde qui est en France. Nous avons un pile haïtien qui est en France là actuellement. Par contre, pour qui est-ce à voter, mais près d'elle, pour qu'on y a là, Macron lit en avance. Oui, n'abdou que au niveau de l'élection qui a fait yo, eh bien, nous connaissons que, et comment situation lui-même licencié et a présenté, eh bien, n'abdou que non, les sondages qui étaient fait yo, qui montré que Macron lui-même était en première position, eh bien, n'abdou que c'est, et dans le cadre des sondages qui est lui-même licencié et a fait, eh bien, au niveau de, et la France, comment que situation lui-même était présenté, eh bien, Macron lui-même qui était en première position, mais n'abdou que dans minute ça yo, nous connaissons que l'élection commence à lui-même lui fait. Et bien, nous avons dans le premier tour, l'intention de vote qui était faite et le 22 mars, était montré que Macron lui-même était à 27,5%, était gagné Le Pen à 20%, était gagné Mélenchon lui-même était à 15%, et puis était gagné Pécresse qui est à 10%. Et bien, c'est pour ça que le sondage lui-même était, et bien, nous avons pour l'élection et qui est censé être faite au niveau de et la France. Et bien, nous avons gagné en pile monde qui au même qui a suivi élection et qui a fait et au niveau de et zone ça et bien Abdou que et nous connaît que élection qui censé et a fait yo et bien gagné en pile haïtien nous connaît que qui au même qui est naturalisé et bien au même il y a gagné yo pour aller voter et bien nous même nous pas connaît qui est sur le voter mais en attendant que la prétende et résultat yo pour nous même nous capable pour nous parler, pour nous dire que comment et ça lui-même lié au niveau de la France. Et bien, on connaît que et présidentielle et française, yo, genre que, et nous, nous, les informations, yo, qui à peine tombé là, selon estimation, Ipso, Emmanuel Macron, il a 28,1% et Marine Le Pen, 23,3%, yo qualifié pour deuxième tour présidentiel. Les résultats à peine tombé là. Eh bien, selon estimation Ipsos, gain Emmanuel Macron 28,1% et Marine Le Pen 23,3%. Ils ont qualifié pour second tour. Avec que et Marine Le Pen et nous, avec que ça, ils sont respectés. Jean-Claude Élité a dit mais et parce que Jean-Claude nous sommes dit et bien les résultats qui sont tombés là. Emmanuel Macron est à 28,1% et Marine Le Pen 23,3% et on peut aller dans le deuxième tour. Est-ce que dans le deuxième tour là du mai, Macron est-ce qu'on forme le plan et pour ce président, le pays ça, Macron aime.
Je pense que tout le monde a posé cette question. Je dis, mais on est ici là, on a posé une question. Est-ce que là, Marine Le Pen est même il arrivé prendre un poste président et bien, au niveau de et la France? Parce que son point d'interrogation. Le nombre à l'ouvrir ligne, tout à l'heure, on a demandé qui est en France, c'est pour qui est-ce qu'il va le voter, pour qui est-ce qu'il a déjà voté ou il a intention de voter. Je pense que c'est les citoyens qui ont le dernier mot. Nous-mêmes, nous n'avons pas dit rien, mais à part nous. Oui, parce que Emmanuel Macron avec Marine Le Pen, eh bien, toute dernière information montre que c'est eux-mêmes qui peuvent aller dans le deuxième tour élection. Je ne sais pas. Et je pense que c'est ça. Je pense que, Jimmy, et avant que nous après poursuivre ensemble avec l'information, on va couper dans l'arrière, dans la capitale, pour nous connaître comment l'arrière est lié dans la minute que nous avons parlé là au niveau de Port-au-Prince Studio. Oui, et mesdames, messieurs, bon, nous saluons là, nous, à l'instant même, et nous n'avons et par contre, si là, nous avons une chance pour le tendre, là, nous avons salué. Nous avons salué là, nous, peut-être qu'il partant de nous, ou qu'on est dans la rue là, mesdames, et nous sommes très bien, mesdames, messieurs, moi-même, pas pour tes jugements sous question couleur, mais, et ou qu'on est que malheureusement, il y a un peu de monde, ça, et qui souvent sorti dans l'autre pays, là, on vient en Haïti, c'est des gars qui viennent faire. C'est des gars qui viennent faire. Et là, n'a pas gardé photo citoyen, hein? C'est pas jour de l'an dans pays, hein? Si c'est qu'on y a eu arrêté, ou imaginez, et Bradel nous dit, ça fait, depuis le petit, mais ça fait des autres, ça y a, à l'âge, ça y a, n'a pas dit présumé, hein. Ça veut dire que, ou imaginez qui va les dégâts, qui va les timoun, monsieur touché, qui va les famille, monsieur mettre de l'eau dans les yeux. Donc, mesdames, messieurs, moun qui gagne courage pour voter plainte contre citoyen, ça, n'a pas encouragé. Haïti, grand pile et prêtre catholique ça yo et gain série de faux diaspora qu'on a dans tout. Bravo, depuis ce monde qui gagne courage pour dénoncer gens de monde ça yo. Oui, Pradel, on nous avance frère. Oui, Jacques, nous sommes censés avancer et bien pour aller directement et bien après nous aller dans la rue. Et bien parce que nous sortis là directement pour nous capables d'aller au niveau de la police nationale d'Haïti. Et bien, Jacques nous parle d'image là, la police nationale d'Haïti et qui y a même brigade d'intervention avec commissariat tabac qui interceptait deux individus ça y est dans un marché public tabac là aux environs de 3h de l'après-midi et le samedi qui 9 avril 2022. Il s'agit de Philogène Jean Simon qui est l'âge 37 l'année, originaire de Port-au-Prince, du Bout-Nord, Gabi, né à Tabar le 24 décembre 1998. Et force de l'audio qui mettait la main aux collègues de ces malfrats qui ont même quitté la rançonné Machanio. Il a été en possession d'un revolver de Max Smith et Wilson de calibre 38 de série K. 82-39-46, c'est muni de 3 cartouches. Ils sont gardés à vue pour association de malfaiteurs et détention illégale d'armes à feu. Et la police nationale d'Haïti et son leadership, directeur général de la France, LB, ils ont plus que jamais déterminé que capable poursuivre traque bandits qui a cherché pour instaurer un climat de terreur au sein de la population haïtienne, côté que la police lui-même lui arrivé mettait deux monsieur Sao qui a gardé là, ils sont censés en bas corde, et bien c'est monsieur Sao qui a en pile problème au niveau de capitale haïtienne. Nous prallé rapido presto pour nous et au niveau de rapport enquête conduite par ULCC sous utilisation subvention accordée avec RNDDH par BMPAD, ULCC qui recommandait la mise en mouvement de l'action publique contre les infracteurs Patrick Noramé, Pierre Espérance, Marie et Gisely Damas, Jean, ainsi que l'ONG RNDDH. Eh bien, c'est rapport enquête ça qui est ULCC lié conduit sous utilisation subvention que Yobay RNDDH lui-même Libay ou BMPAD Libay RNDDH et bien ULCC qui recommandait la mise en mouvement de l'action publique contre infracteur Sayo Patrick Nourad.